Alors que bonsoir à tous et bienvenue pour ce 9e épisode de Cooking Mama 3. On va cuisiner pour David. Et on va cuisiner d'autres acquis. David cool. Non. Là, vous les haricots rouges. Non, non, mais vu la taille de l'épisode, là... Là, je me dis... On va se retaper encore la scène de merde. Non, il retombe plus. Ah ouais, j'en peux plus jamais. Ton putain de magasin, là. Alors, plus jamais, on y retournera. Plus jamais, jamais. Non, mais, je sais que c'est là où on trouve le... Tu vois son putain de magasin, il a duré la moitié de l'épisode dernier. Heureusement que t'étais pas là. Hein. Oh, mais t'inquiète, hein, j'ai déjà participé aux épisodes où il y avait du shopping. Hein, et oui, où Shuka se prend toutes minutes. Les personnes. Mais oui, mais il s'est pris toutes les personnes, et à la fin, tu vois, il lui restait un article à trouver, là, genre des champignons. Il fallait qu'il trouve 3 champignons. Ce qu'il a fait, eh ben, il a loupé. Il a quitté. Genre, il a terminé le... Il s'est fait avoir. Il a perdu. C'est un gros noob. Genre, il allait jusqu'à la quatrième truc, il a fait 8 minutes de jeu, et qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il perd. Bah, pas fallait que je fasse un épisode complet dessus ou pas? Non, j'aurais juste préféré que tu gagnes, quoi. C'est mieux. Non. Moi, je préférais ne jamais faire ce jeu, en fait. Ah putain, mais les mecs, quoi. On a fait les 2 premiers, faut bien faire le 3e, et le 4e, et Camping Mama. Camping Mama, je pense que tu pourras... Mama. Et Babysitting Mama. Tu pourrais économiser du temps en faisant plus ça. Alors tu pourrais économiser mais moi, je suis plus sûr qu'un de temps jour, à, faire de à monter mieux tes vidéos. Et faire moi, je suis moins sûr qu'un jour il va nous dire « Bon les gars, j'ai décidé que je vais faire tous les Léa Passion. » Et là il sera tout seul pour les records. De lui donner des mauvaises idées. Stop, faut pas lui en parler. Il connaît doku, pas doku, ça, doku. Il faut pas qu'il le connaisse. Doku. Si tu veux que je les recorde, je le ferai. Par contre, non, tu fais le commentaire avec moi. Hors de question. Voilà. Ah, tu demandais si vous vouliez qu'on fasse Cooking Mama 3, vous m'avez répondu oui, donc je vous emmerde. Essaye avec les enfants de Megan. Ouais, on veut bien, moi ça me dérange pas. Mais bon, qu'il y ait des scènes de shopping à la con, ça me gonfle. Des scènes de cul, ça me dérange pas. Bah, des scènes où elle bouffe de la merde, en fait, là, tu vois. Non, c'est... Ah mon dieu. C'est de la purée d'haricots. Ah ouais. Pour moi, c'est de la merde. Mec. Tu sens, c'est hein. Comme l'autre fois, là, j'ai vu des Poki, donc c'est des comme des Mikado, mais au Japon. À la patate douce et aux haricots rouges. J'ai déjà bouffé... Ouais, bon, d'accord. Si vous voulez, ça me dérange pas. J'ai déjà bouffé les espèces de poissons là, qu'ils ont dans les animés avec de la pâte de haricots rouges. J'ai jamais bouffé. C'est sucré à mort. C'est sucré à mort. C'est sucré non, à c'est mort. Sucré à mort. Ah d'accord, ok. Parce que moi, c'est le truc que j'avais envie de goûter depuis que je commence à regarder des animés ou que je lis des mangas, c'était le melon pan. J'en ai pris 2, putain. Je les ai mangés dans la foulée tellement c'était bon. Personnellement, j'ai pas aimé. C'est quoi ce truc? Des pains melon. Et c'est très sucré. Pain melon. Bon, je sais pas. Mais c'est pas des pains au melon. Non mais d'accord, mais j'ai vu, ça ressemble à juste parce que c'est bombé et que ça a des rayures, quoi. Ça reste sucré, ça ressemble plus à une brioche qu'à du pain, vraiment. C'est quoi, c'était une crêpe, là? Oui. Tu l'as fait sauter, et parce puis elle a un côté... Non, c'est une galette, en fait. Oui, mais regarde, là. Il y a un côté où c'est cuit et l'autre côté où c'est pas cuit. N'empêche, je me dis, heureusement qu'il en fait pas autant que ce qu'on en a maintenant. Effectivement. Ouais. Maman, arrête. Arrête de mettre des os, en plus elle nettoie même pas le plat. Genre elle fout des os puis ensuite elle fout une crème par-dessus. C'est très hygiénique. C'est un peu dégueulasse. Ah, j'imagine pas ça dans une cuisine. Hein. Maman, arrête tes conneries. Non, j'ai rien. Arrête de nous faire manger, grand-père. Tu sais même pas combien de temps il faut laisser. What? C'est quoi la différence? Ah, il faut que tu mettes au milieu. Mais c'est super chiant. Surtout avec un stylet et un écran de DS, c'est chaud. C'est quoi ce truc? C'est un chien. Ouf. C'est un chien avec une toque de cuisinier. Parce que c'est un jeu de cuisine. C'est un chien avec un nez de cochon. C'est parce que c'est des haricots rouges au chien. C'était un chien avec un nez qui avait un smiley. Si tu laisses trop longtemps, c'est crame. Je sais pas. C'était si tu laisses pas assez longtemps. Tout à l'heure, j'ai commencé la partie de Jojo's Bizarre Adventure et juste le début, t'as le mec qui fait
Bon, il y a les étrangers qui commencent à prendre les chiens et à les cuisiner, qu'est-ce qu'on fait? C'était okay. Mais what? Ah, mais c'était exactement ce que j'ai mangé, ce qu'on était en train de préparer. Mais moi, c'était en forme de poisson, donc c'était plus drôle. Surtout, il n'y avait pas des os qui ont touché la pâte avant de manger, quoi. Probablement, ouais. On va faire un gâteau. Encore un peu. Tant bien, c'est l'anniversaire de Ryan. Donc ouais. Vous savez quand est-ce qu'on aura récordé ça. Bravo. Putain, mais Mama, elle sait pas tenir une... Presque aussi vieux que Megan, quand même. Ouais, je sais pas. Je sais pas quel âge il a. Il doit avoir 23, là. Ouais, on va dire que c'est moi qui suis presque aussi vieux que lui. Alors... On dirait yes. On dirait comme par Papa the Rapper. Je sais pas si vous connaissez. Ah, genre, ça me dit quelque chose. C'est pas un jeu de PSX ou de PS2? C'est un jeu de PSX où tu c'est de la musique en fait, tu dois appuyer sur les boutons au bon moment. Et ça défile de la même manière que là, tu dois casser l'œuf. Puis ça me fait rire, tu casses mal l'œuf, tu mets un pansement dessus quoi. Enfin, j'en ai rien à foutre, je casse l'œuf. Tu peux lui mettre jusqu'à deux pansements. Ouais, mais ça sert à rien. Enfin, genre, putain, le filet cassé, je vais lui mettre un pansement. Pour ensuite le recasser. C'est ça. Puis après, tu vas te ramener, tu vas faire une blague à la prise de nid. Je t'ai cassé. Qu'est-ce que tu fais, Chouka? Ah, mais faut taper 5, oh putain. 6 fois, taper en fait. 5, c'est 6 fois. C'est des œufs d'autruche, c'est. Rajoute du sucre, vas-y, mets. T'as déjà goûté? Oui, quelqu'un a déjà goûté des œufs d'autruche? Non. Comment elle fait? Genre, elle verse le tout et puis. Il y en a encore. Et elle continue de verser, il y en a encore. Physics. Ta gueule, c'est magique. Sérieux. Le truc là, il est pas homogène. Hein. Non. Maintenant, oui. Because what? Physics, bitch. Oh merde. Utilise le mixeur à main. Je déteste utiliser le mixeur à main dans ce jeu là. C'est juste incompréhensible comment t'es supposé l'utiliser. En fait, c'est pas les trucs qui tournent, c'est toi qui agites comme un bonnet dedans. Mais exactement. Appuie pas sur le bouton rouge. Pourquoi? Mais je sais pas. Oh, c'est l'instruction, non. Hein. T'avais dit pas de hentai en cuisinant. Oh, c'est pas ma faute, ok? Bah un peu quand même. J'ai fait venir le bol, c'est pas ma faute. Ouais, il a là, je l'ai fait revenir. Et en plus, tu peux mélanger que dans un sens? Yup! Bah, c'est con parce que moi je tourne dans l'autre sens en fait. Moi j'alterne. Ah oui, mais non, mais si tu peux mélanger que dans un sens. Cuisine pas. Noob. Encore des flancs. Oh! Le mec j'ai passé 2 millilitres, ça a éclaboussé partout. GG. Ça a bouché, éclaboussé. Je suis parti. J'ai retenu 180. J'ai pas retenu c'est, quoi. C'est le genre de truc où c'est tellement con que tu te demandes ce qu'il va falloir faire et du coup tu regardes pas. Moi je connais ce jeu donc ça va. J'ai jamais coupé des fraises comme ça moi. Moi non plus. Parce que bon, genre t'es... Ah, ça n'a pas l'air efficace du tout. Moi tu sais quand je prends des fraises, déjà j'ai envie de les bouffer, mais je tire la queue puis je bouffe la fraise. C'est ça. Je vais bouffer la fraise. C'est, on dirait des visages ce truc de merde. Quoi, d'un coup tu lui as dessiné au milieu à ton truc. C'est quoi ça? Ah, oh, tu me dégoûtes. C'est un rôle. Des gâteaux blancs. Mais tu fais quoi là? Tu mets du Tipex dessus? Il étale de la crème fouettée. De la crème, essentiellement. Non, mais ça, moi j'ai l'impression que c'est du Tipex, hein. Ça y ressemble beaucoup. Hein. Genre tu mets. Enfin, j'ai fait des fautes. Je les efface. Le mec. Faut pas qu'on voit les fautes que j'ai fait sur le gâteau. Tu fais un petit arbre avec les feux. Les... Je le mets en Pokémon. Mais mets des hautes herbes. Putain, mais. Ouais, tu fais une maison Pokémon. Do you want a home?
Cause how you get home. Oh. C'est bon. Ouais. Bah, 90. Gratte où tu veux. Bah oui. Oh oui, maman. Attends, je me gratte le cul. Oh, je... On va faire de la bouffe maintenant. Après, ça va être gratter le cul. Exactement. Et puis, elle a pas dit si c'était sur toi ou sur elle qu'il fallait gratter. Hein. Pourquoi pas les deux? Bah, pourquoi pas. C'est vrai. C'est la première fois qu'on... Pardon? C'est la première fois qu'on voit une banane dans ce jeu. Je pense que c'est en 3D qu'elle est faite, en plus. Et les gars, en plus, vous savez pourquoi les bananes, elles sont tordues? Sans plier de rire? Non, c'est pour rentrer dans la peau. Donc, voilà, je voulais mettre un blanc, je voulais voir si ça marche, parce que c'est une blague toute pourrie, c'est de l'humour. Mélange dans c'est le l'humour absurde. Ouais, très absurde. Bah non, c'est pas absurde, c'est concret. Bah c'est ciment du moins. C'est des arguments en béton que tu nous sors. Oh. Pour ceux qui n'auraient pas compris, concrete en anglais, ça veut dire ciment ou quelque chose genre. Ouais, je sais. Mais 22 grammes s'il te plaît. Pas plus. Donc, hein. Alors Chouchouka il a des problèmes gastriques, il chie des trucs blancs. Mais 45 grammes s'il te plaît, remplis un bol entier. Et là t'as rempli deux bols à peu près, tu vois normalement ça fait 3 fois la taille du bol qui est à gauche. Genre c'est vraiment plein quoi, et tu mets 4 fois la taille du bol. Que vous. Mais c'est pas 11 grammes de beurre là. Non, on se pense que... D'accord. Puis la banane c'est pareil, 110 grammes de banane. Oh. Ah bah, il faut bien ce qu'il faut hein. Non mais sérieux. Excuse mais... Toi tu calcules des en grammes. Mais, non mais juste, comment, pourquoi tu mets autant dans un petit bol de merde à gauche, il y a un trou en dessous du bol dans la plaque en dessous, je sais pas comment c'est possible. Il y a un petit chinois qui garde tout. Oh non. Eh les gars, vous saviez comment les Somaliens y frimaient à l'époque des mécènes? Ils se mettaient en partie manger. Exactement. Comment ça, mon écran va bientôt s'éteindre? Non, parce que t'as rien fait depuis longtemps. Minuterie off. Votre écran va bientôt s'éteindre. Appuyez sur OK pour continuer. Comment tu veux que j'appuie sur OK? C'est pas tactile. Et le mec qui appuie sur OK. Et paf, votre écran va s'éteindre. Merci d'avoir validé. Ah là là. Genre, tu t'arrêtes un tout petit peu avant et boum, il grossit. Et les gars, vous savez c'est quoi le comble pour un curé? De manger du curry? Non. C'est d'aller dans une boulangerie et de se taper une religieuse. Oh. C'est dégueulasse. Mais t'as fait un muffin. C'est dégueulasse. Oui, c'est un muffin aux bananes. T'as fait un muffin dans un bol qui était un trou noir. Pour en sortir. En fait, le muffin s'est pris une météorite de banane dans la gueule. Non mais, c'est un truc de dingue. Il a fait 3 petits muffins avec un bol rempli à ras-bord, mais genre, t'as coulé par terre, quoi. C'est pas possible. Peut-être t'as mangé le reste de la pâte tout seul ou quoi? C'est clair. Comment il fait, putain? C'est absurde comme jeu, en fait. Oui. Vas-y, tape. Et miette bien. Et miette plus. Bravo. T'as vu. Farine de biscuit, beurre fondu, et tu malaxes. Encore un peu. Encore un peu. Encore. 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 Je sens que les nuits vont être longues avec Doku. Ah, c'est sûr que là... Bah, il a de l'endurance. Deep in the night... You're looking for some fun. Hey Thibaut, ça va être deep in your ass. Oula. Je pars peut-être un peu loin, là.
Un petit peu. C'était profond ce que j'ai dit. Exactement. Oh. Profond et sale. Bah t'aurais pu avaler tout ce que j'avais à dire. Oh. Je reste sur le cul. Ah bah non, on est profond. Sucre, épices, des tas de bonnes choses. Tu mélanges le tout. Bon, j'espère avoir été synchro quand il y a eu le sucre qui est apparu. J'espère pour ta gueule, oui. Enfin, comment tu crées des filles à partir du sucre? C'est l'état de bonnes choses. Il y a pas, y a du sucre dans le corps, hein. Les épices, j'étais pas au courant. Alors, tu mets un peu de sucre dans des herbes de Provence et tu as la moitié d'un corps humain. T'as, tu dis ça, Alphonse. L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Des épices, du sel, du sucre, c'est bon, t'es content. Ajuste la chaleur. Voyons, Mama, je ne peux pas ajuster la chaleur de mon cœur quand je te vois. Oh. Je peux pas ajuster la chaleur de ma colère quand je vois que tu fous des os au lieu des beignets. Moi j'avais faim, je voulais des beignets. Comment tu sais la chaleur qu'il faut faire ? On m'a nourri comme un chien. Bah à gauche là tu vois. Ah le rectangle ne bouge pas, ouais, c'est le rectangle c'est qui dit quoi faire. C'est ça. Ah du coup j'ai goûté, il y a longtemps on parlait d'un gâteau avec Ryan, le shortbread millionnaire. Ouais. Ouais. Et en fait on dirait un Twix en fait. Bah. C'est bon les Twix, j'ai envie de manger. Oui c'est bon, mais tu sais ça fait biscuit, chocolat, caramel. Ouais mais j'aime pas trop ça moi. Quand il m'en avait parlé j'ai toujours voulu en bouffer. Ça existe toujours les bouffer. Gâteau millionnaire. Un shortbread millionnaire. Shortbread. C'est un petit pain millionnaire. Millionnaire. Parce que bitch. En gros, c'est un petit pain. Oh, ça l'a trop bon. N'est-ce pas? Tu jouis dessus. Sucre. Oh. Des épices. Oh putain, j'ai faim. Oh putain. Fais de la mousse. Comment tu fais de la mousse avec du sucre? Ouais, il y a des œufs dedans. Tu tapes très fort. Hein. Ok, je recommence. Comment tu fais de la mousse avec du sucre et des œufs? Mousse. Vas-y, étale tout. Enfin, recouvre ça, de meringue. Ça, c'est de la... Meringue. Non, mais c'est pas de la citron meringué, sa mère. Non, mais c'est quoi, cette meringue? C'est quoi, cette texture? Putain, c'était à mon anniversaire, j'ai fait le con. J'achète une tarte au citron meringué. J'ai pas fait gaffe quand j'ai tout foutu dans le sac. Bah, j'ai foutu les trucs par-dessus. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai vu toute la meringue collée au plastique. Donc, pour finir l'épisode, la meringue est constituée uniquement de blanc d'œuf et de sucre. Donc, oui, tu peux faire de la mousse. Bah, ouais. Donc, oui. Donc, du coup, c'est la fin de l'épisode. Donc, on va dire ciao. 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 Merci, madame. Ciao.